Très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit au début, l'intelligence artificielle joue un rôle dans nos vies quotidiennes, et ce, de nombreuses façons. Pratiquement tous les jours, maintenant, si on ouvre les journaux, on verra un article sur les voitures qui vont utiliser l'intelligence artificielle, ce qui va avoir des conséquences pour les 3 millions de personnes qui travaillent dans le secteur du transport aux États-Unis, par exemple. Mais le point que je voudrais soulever ici, c'est que le développement de l'intelligence artificielle va affecter le futur de du monde beaucoup plus largement que vous ne le pensez. Il y a du travail qui est fait par les universitaires qui suggèrent qu'aux États-Unis, par exemple, pratiquement la moitié des emplois vont être impactés par l'intelligence artificielle. L'OCDE a fait beaucoup de travail et Marie va vous présenter, va vous montrer que dans les pays de l'OCDE, on trouve beaucoup de postes maintenant, différents types de postes qui vont être impactés par le développement de l'intelligence artificielle de manière que l'on ne peut pas comprendre à l'heure actuelle, car ça se développe tellement rapidement. Mais je voulais vous dire que ce n'est pas seulement une question pour l'OCDE ou pour les économies avancées. L'intelligence artificielle va également affecter la nature du travail dans les pays en développement, dans les marchés émergents, et ces pays et ces marchés sont bien moins préparés pour les conséquences de l'intelligence artificielle. Midas produit 3 millions de chaussures de sport dans le monde et emploie surtout des personnes en Asie. L'année passée, ils ont ouvert une usine en Allemagne qui produit 12 000 paires de chaussures par le biais de robots. Ils vont ouvrir une autre usine à Atlanta sur la même base. Il y a 10 ans, est-ce que les robots pouvaient produire 3 millions sur 300 millions de chaussures pour Adidas ou 200 millions après les 300 millions de chaussures qu'Adidas produit? Et maintenant, il y a 1 million de personnes qui produisent des chaussures au Vietnam, en Afrique, en Chine. Est-ce qu'ils vont être reformés pour faire quelque chose ou est-ce qu'ils vont perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle? Et quel que cela signifie pour des pays tels que l'Éthiopie, le Kenya, le Sénégal ou le Vietnam qui pensent maintenant à leur stratégie de développement? Lorsqu'on parlait de développement avant, le développement était fait grâce donc au surplus de travail. Mais si les petites entreprises deviennent de plus en plus mécanisées et utilisent l'intelligence artificielle, eh bien, cette échelle va disparaître. Donc, alors, ces personnes qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont passer à la valeur ajoutée, à des services plus sophistiqués? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour le faire? Les systèmes d'éducation ont du mal à former les personnes. Et est-ce qu'ils vont pouvoir donc leur inculquer les compétences dont ils ont besoin pour occuper de nouveaux postes? Ça, c'est une autre dimension. Donc, comment aussi allons-nous faire face au fait que beaucoup de personnes, au cours de cette transition, et c'est vraiment une transition industrielle beaucoup plus rapide que celle que nous avons connue au cours des 300 dernières années, car cela a lieu dans une... Au cours d'une génération, cela affecte la nature de notre travail et beaucoup de personnes vont trouver qu'elles ne peuvent pas être formées pour pouvoir occuper un autre poste. Donc, comment allons-nous traiter de la chose? Donc, les personnes pensent à introduire le principe de salaire universel de base. C'est un concept intéressant, mais qui soulève de nombreuses questions. Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'un pays tel que le Sénégal, le Kenya,
ou un pays plus grand tel que le Pakistan seront à même d'introduire ce principe de salaire de base universel. Donc l'intelligence artificielle arrive beaucoup plus rapidement que l'on l'avait anticipé. Il y a des personnes qui disent non, ben, on a connu ce genre de situation dans le passé, on va gérer la chose, mais je pense qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, car cela va créer énormément de tensions sociales, car les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail n'auront pas les compétences nécessaires pour occuper les nouveaux postes, donc il faut commencer à se préparer pour cela. Je ne suggère pas qu'on mette fin à cela, absolument pas, mais car cela va contribuer à la productivité et améliorer nos niveaux de vie, mais pour cela il faut que l'on s'équipe à partir de maintenant et en faire un agenda national. Et je pense qu'un panel tel que celui-ci est une bonne introduction à ce sujet. Oui, très bien, merci beaucoup, n'hésitez pas à applaudir.